est magnifique, c'est 22 000 euros. Les nouvelles moutures. Le seul problème, c'est que le panto, là aussi, c'était lamentable. Il ne garde pas l'horizontale. C'est peut-être un peu rapide, là, à un moment. Bon, ça va. Sur la caméra, tu sais que ça accélère à la semaine. Trop fort, on veut le pas déchirer sur le plateau. Ah ouais, j'ai vu l'enlever, ça. Ça fait des ordres. Ça peut faire des ordres. Écoute, je fais un jour en main, moi je suis en train de le faire. Pour près. Ça me fait rien. On va se mettre la voiture à ce moment. Tu peux pas mettre un ragoût? Oui, c'est ce que j'ai dit, moi. C'est ce qu'on dit, nous. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce que les montagnes, là, que j'ai placées. Oui, je ne sais pas comment ça qu'on fait. Ça, quand tu vas me changer. Je vais virer la loco. J'ai des modélistes, ils sont déconnectés. Je mets le courant pour que tu puisses. Il faut assez tout. Mais l'intérieur éclairé. Tout le bloc, là, c'est amovible. Là aussi. Ah oui, il y a tout qui est amovible. C'est amovible, de partie. Ah voilà, la fameuse voiture service. Ah, c'est une fille. Bon, il y a le feu de fin de convoi, je l'ai mis à l'extrémité. Ça, tu vas le couvrir, ça, un jour, moi, en fait. Tu as le compartiment du chef de train. C'est fermé, là. Ah, ouais. Là, tu as le compartiment avec le distributeur de boissons. Tu vois, il y a le distributeur de boissons qui est allumé. Là, c'est le compartiment d'accueil de la clientèle. Là, si tu regardes bien, si tu prends cet angle, regarde, la deuxième fenêtre, on voit l'extincteur en haut et la poubelle en bas, en face le distributeur de boissons. Ou comment enculer les mouches. Après, tu as les compartiments couchettes. Là où tu vois les rideaux tirés, c'est là où j'ai planqué condensateur et tout y quanti, j'ai mis carrément 4700 microfarads, alors avant que ça s'éteigne. Et le dernier compartiment, c'est le compartiment vélo, il y a un vélo qui est suspendu. Yep. Encore du bon boulot d'Hervé. Ben, obligé, hein. Au départ, c'est malheureux, c'est tout faux. Tous les aménagements intérieurs sont fous sur ces bagnoles. Mais ils te les vendent quand même 55 euros pièce. Après, on dit LS modèle, c'est cher. Oui, LS modèle, ça vaut 15 ou 20 balles de plus. Mais tu la prends de la boîte, tu la poses sur les rails, avec des jeux. Il y a tout. Voilà, là, il y a 30 heures de travail par bagnole, minimum. Après, tu as les camions derrière. Oh, t'assures, Hervé, hein, franchement, c'est... Ben, j'assure, oui. C'est top. Ben, c'est le but du modélisme, hein, essayer de coller à la réalité. Après, la perfection n'existe pas, mais voilà, moi, c'est sûr, n'est pas le semaine, et bon... En modélisme, tu es toujours obligé d'avoir recours à des compromis. Compromis, chose due. Je crois que j'ai mis les rails pour faire la photo. Ouais, c'est les rails. Les rails. Qu'est-ce que tu dis? À propos, j'ai changé le panto de la 26 000. J'ai mis un panto LS modèle. LS modèle a eu l'intelligence de faire des pantos pour les civiques, parce que malheureusement Rocco il a mis des pantos de merde, ils sont en plastique. Ben, c'est du plastique, hein. L'archer il garde pas la position horizontale, ça fait qu'il penche d'un côté ou l'autre. Mauvais contact au niveau de la digité. Quel rouge qui arrive par plus bas. Non, c'est ça, t'as rien en France.
Tu vois les persiennes, les rideaux vénitiens, c'est de chez Decapote, il faut les peindre. Bon, pour les poser, c'est pas dans la tarte. Hein. Alors là, fin du chemin, Jouef, nouvelle Jouef, ils m'ont étonné. Hein. C'est vrai que là, quand on voit ça, là, ouais. Bon, il y a une LS modèle au milieu, c'est celle-là. Ça, c'est époque quoi, ça, époque 5 ? Non, c'est époque 4, c'est époque le tout début du Capitole. C'était avant qu'ils aient l'appellation TE. C'est de 70 à 72, si tu préfères. Le premier Capitole, ça pas comme ça. Oui, c'est le premier. Ah. Oui, tu parles c'est des huissiers. De blanche, comme la. Oui, ben, les huissiers, mais tu en as une derrière la loque là-bas. Voilà. Et eux, avec le manteau qui monte tout seul. Ma chère. La différence entre Jouef et LS Model. Enfin, ouais. Si vous arrivez à l'avoir. Oui, honnêtement, il y en a vraiment pas. Ça y est, tu peux. Allez, elle va fort. Voilà, tout est éteint, mais ça s'allume, c'est pas bien. Vénérable BB300 et c'est un ancien modèle avec la transmission et pas par cardan, c'est le petit ressort hélicoïdal et ça marche du tonnerre, hein. C'est bien nettoyé. La présine qu'il y a dessus là, c'est quoi, c'est pas une joueur ça, c'est une REE, oui bien sûr. Je veux dire, le joueur, c'est un petit pitié. Le joueur, c'est... Tu vois pas les vitres. Contact à tes billets, faut que je regarde. Pour une petite compo pour la Maurienne, avec 4 bagnoles des fesses. Dans les fesses? Dans les fesses, oui.
porte lanterne, le support de barre de traction basse. Il y a le frein aérostatique, la boîte de 1500 volts. Patiner la toiture. En toiture, j'ai changé aussi les isolateurs parce que ceux d'origine ne sont pas conformes. Il y a l'alimentation des trompes. J'ai refait les archers parce que les archers d'origine, c'est pas beau du tout. J'ai repris la ligne de toiture aussi parce que normalement elle repose sur l'isolateur, etc. Il y a l'échelle intérieure pour accéder à la toiture, il y a le pare-soleil, il y a les poignées des prises Kéops. J'ai mis une LED à la place de l'ampoule. Et là, je ne sais pas si j'ai mis les sabliers. Hein. Pas encore. Je vais y mettre les sabliers. Hein. Encore une œuvre d'Hervé. Faut avoir de la patience. Et j'ai changé le châssis aussi. Hein. Parce que normalement, la 13, c'est moteur lent. Alors, ben, comme j'ai des rampes, plus qu'elle tient une rampe comme ça, 8, 10, 12 caisses. Ping-pong. Plein de poussière sur le toit. Les boîtes fermées, j'ai sorti la boîte, elles sont bien poussières. C'est le livre. Elles sont patinées naturellement. Voilà. Ici, la patine, ça y va. Le plafond, il nous tombe sur la gueule. J'ai tous les habits, j'ai. Le 2, le 3, le 4. Hein. Le 1, le miroir là. Trop dur. Attention, on va les mettre directement sur la voie, je pense. Allez, les bagnoles. Je peux les avoir contre.
9.35 est complètement inédit. Je ne sais pas pourquoi, Rocco n'a jamais pensé à le faire. Alors je suis parti de la 12. Je l'ai complètement repeinte. Avec des peintures Tamiya en aérosol, c'est fantastique. C'est beaucoup plus efficace qu'un aérosol. C'est hors poussière immédiatement. Alors bien évidemment, elle est super détaillée. Grâce aux accessoires de M. Jean-Pierre Penati, il y a le support de barre de traction basse, de chasse obstacle. J'ai mis des supports de lanterne. J'ai mis des poignées aux prises Khéops. J'ai mis les sablières. J'ai mis les alimentations des trompes. Alimentation du lave-panto, le pare-soleil, l'échelle d'accès à la toiture. J'ai changé les isolateurs qui à l'origine sont faux. En fait, c'est des isolateurs de 9004 qu'il faut mettre. Bien évidemment, j'ai changé la motorisation parce que la 12 c'était un moteur lent. Carrément changer le châssis avec un moteur rapide. J'achète les pièces au détail. Il faut acheter les moteurs. Après, il faut acheter les cascades de cardan, d'engrenage. Il faut le bogie qui s'adapte. Il faut changer aussi les bogies. À la sortie, tu en as pour 120 euros et tu t'emmerdes pendant 3 jours pour
pour le faire. Alors que là, tu décliques, tu prends l'autre, tu recliques, et c'est terminant. J'ai mis la clim en toiture aussi, puisqu'en époque 5, elles avaient la clim, le petit bins qu'il y a là. Voilà, et maintenant, elle marche très fort. C'est une 12 qui marche aussi fort qu'une Capitole. Et à côté, tu as la 12, donc en version d'origine, qui était super détaillée également. Même principe. Alors c'est sûr que maintenant, R2E nous fait déjà comme une pratiquement parfaite. Mais à l'époque, on avait les Rocco, et bon, c'était quand même une réussite à l'époque. Sauf que bon, c'était pas terminé comme il fallait que ce soit, et si tant est qu'on ait un peu de patience, on arrive à la super détailler. Alors d'autres choses, oui, il y a aussi la boîte qui est à 100 volts, la boîte du frein aérostatique, etc., etc. Il y a pas mal de boulot, quoi. Plus une LED à la place de l'ampoule. Et voilà, parti. Ping-pong. Là, je refais aussi les archers, les pantographes. Avec du fil de laiton 04 que j'ai soudé. Les portes ouvertes et tout, là. Oui, alors là, c'est les côtés compartiments. Il y a des compartiments, ils ont les après, tu peux voir le côté couloir. J'ai refait toutes les portes aussi. Pourquoi ça l'a fait tirer, du coup? Oh, un mauvais contact, moi, là. Pour les chiens, là. Eh oui. Putain. Les chiens, là, il y a même... On vient voir, il a même fait les devantures des sièges. Des sièges. Mmh. Ouais. Alors, l'avant-dernier compartiment, tu vois, il y a la machine à boisson qui est éclairée. Ouais. Ah, et... Le plus compliqué, c'est de trouver la documentation. Internet. Attends. Tu peux taper ce que tu veux sur Internet. Tu tapes VTU époque 6 Carmillon. On te donne la recette des pâtes à la bolognaise. Voilà, arrêtez de me gonfler. Google, mes couilloles. Tu es sûr que tu as tapé Carmillon, tu es sûr que tu n'as pas tapé Carbonara? Ah, je pique de ces crises. Je suis sûr qu'il a tapé Carbonara. Déjà, une informatique. Il y a un mauvais contact à TG. Je ne sais pas ce qui se passe. Je soudais un fil. Les écrises qui prennent pas de jeu à la langue. J'ai enregistré l'épée. C'est le cas. Elle dit que c'est un cas. On ressort. J'aurais fait comme ça, hein. J'aurais mis ça, j'aurais fait ça. Moi, bon, quand j'étais connu, je pouvais rien dire. C'est, tu avais fait ça. C'est fini. Oui, il fallait tout découvrir. Oui. C'est moi, mon réseau initial, quand j'étais à deux, c'était pas tout à fait fini, je pense.
main sur le bourdieu, avec une vieille rue Michel Saint-Denis, et un renfort, j'ai mis une A8 rouge UIC. C'est les fameuses voitures joueurs qui m'ont épaté. Franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat.